Voici l'abomination en question. Le Panthéon late game. Enfin, là je suis niveau 1, du coup c'est pas encore le late game. Ici j'ai du vol de vie qui est pas indispensable. Là j'ai le chapeau qui réduit le délai de l'ultime à chaque fois que je l'utilise. Évidemment la tempête menaçante, on ne la présente plus. La moisson noire, je suis contre un Maokai. Voyons s'il va pouvoir moodlet gamer. Ça se dit, ça se dit. Ok, ça c'est encourageant pour le late game. J'ai raté au 15 bien. Et là je vais avoir ma première récolte de moisson. Quoi? Et l'armure à dégâts magiques? C'est curieux. Ah, la moisson. Je vais l'infliger à la tourelle. Paf! Ah oui, ça marche sur les bâtiments. Je l'ai appris moi aussi, en lisant. Comme quoi ça peut servir de lien. Tiens. Oh! Oh! Bien vu! Tu veux quoi, toi? Vas-y, vas-y. Ça vient? On a peur? Vas-y, détruis-le, détruis-le. Salaud là. Il est juste mort. Ah la moisson. Je l'ai chopé. Ah oui, je l'ai chopé la moisson. Nice. La moisson. J'ai pas de mana par contre. J'ai failli me tuer ce studio. Faites-moi confiance hein. Je le connais le Panthéon, on l'a dit. C'est moi qui l'ai inventé alors. Hein. Je sais ce que vous dites. Et total des dégâts infligés 90 quand même. C'est un peu nul. Eh. Super. Je vais mettre une bonne dose de late game sur la mid lane dès que je la vois. C'est qui? C'est Swain, parfait. Tu fais quoi, bro? Bro! Qu'est-ce qui t'arrive enfin? Je te reconnais plus. Ok. Mais bien. Mais elle se barre dès qu'elle peut servir à quelque chose. Mais en plus elle me prend la salade, je rêve. Et c'est une blague. Vas-y, je donne un kill à ton Swain, tu l'as mérité. Et salut les bros. Bon, il m'a tué. Mais au moins j'ai pu le moissonner. Et de toute façon j'ai encore mon machin là, le truc qui permet de se téléporter. La téléportation c'est ça. Il joue avec quoi lui? Tempo. La maîtrise de vitesse d'attaque sur Lucian. C'est intéressant. Je vois que c'est efficace aussi. Ça fait deux qualités. Ben voilà. Bah ben voilà. Je m'en fous, c'est pour la moisson. C'est vraiment des grosses élus poussées dans mon équipe par contre. De ce pas-là, je pourrais carry en late game grâce à mon Panthéon. Panthéon late game. Et là je peux ulti bot. Hey hey. Hey hey. Franked. C'était un dash ward sans le dash. C'était une ward quoi. Ok, je crois qu'ils vont tous mourir, moi je vais TP. Je pense que je suis pas vu dans ce bush. Comme ça je moissonne ce truc. Oh, parfait. Le timing. C'est incroyable ce Panthéon boulanger, il s'occupe du pain et de la récolte. Allez, on part sur un troisième ulti. Merde, je l'ai cancel. J'ai cliqué juste après. Ça compte? Ça compte même pas en plus. Ça aurait été un bon hack. Ah, il a fait une erreur. Une grave erreur même. Sauf que là, il va vouloir back. Et moi, je laisse... Ok, il back pas. Ça va, déjà, il va gagner. Parce qu'il a pas de mana. Principalement. Hmm. Nice. Plutôt bien joué de sa part. Mais il suicide, par contre. C'était totalement un suicide, ça. Bah, ok. Je pourrais jouer le Panthéon avec Météor, vu que son R s'appelle Météor. Je retire ce que j'ai dit. Ça se trouve, ça se fait en plus. Je pense pas qu'il mourra un jour, hein. Bro. Le game est pas facile, c'est tous des Grinter, mes alliés. Jouer contre ces gens est impossible.
Non, elle est pas morte. Arrêtez. Lui, il est mort. En fait, ils ont fui toute l'équipe adverse et je suis le seul à subir parce que je suis le seul perso mêlé. Je suis le seul à être vraiment désavantagé par leur hard feed. Je sais pas s'il me bat là. Ok, je le bats. De pas grand chose. Allez, un Q-spell. Nice. Lui par contre il me faudrait de l'anti-sustain si je veux le battre. Je crois que je suis mort hein, avec mon... Bientôt peut-être. Je suis pas encore mort ça. Je retrouve ma mobilité avec mes bottes de mobilité. Ok, c'était bien joué de ma part. Il m'a ignite en plus. Ignite contre flash c'est worse. Ceux qui disent le contraire ils sont hello boostés de toute façon. Voilà, Swain est mort parce qu'il avait pas son ignite. Swain il meurt 100% du temps s'il a pas son ignite hein. C'est à ça qu'on reconnaît le champion. Ok. Oh là là, je l'ai sauvé in extremis. Oh mais mon late game en vrai, vous voyez tellement la différence là. Oh bien, bien joué le bait. Regardez les damages. Même en early quand il avait 0 points d'armure, j'en faisais pas autant. Ah, dommage ça. Ok, nice. Mais des gros dégâts à la tourelle. 388, c'est bien plus que raisonnable. Il me fallait le... Eh mine de rien, j'ai failli la tuer. En fait, je voulais le... la moisson du sbire. C'est worse de grid pour ça, en général. Si, si, si. Cours. Téléporte-toi. Ouais, pas par là. Et vu les dégâts que j'ai, le late game que j'ai, c'est insane. Aucun late game n'est comparable. Je le détruis. Je les détruis tous. J'ai même pas d'anti-heal pour cet idiot. Mais on l'a détruit quand même. Vous voyez que je suis pas totalement sûr de moi quand je dis ça. Parce que on l'a moyennement détruit. Mais bon, pour ma défense, il a eu 21 kills. Quoi. 22, autant pour moi. Encore, j'ai pas très bien moissonné cette game. Je pense que 194, c'est pas ouf. Bon, je pense que j'aurais plus de chances de gagner en vrai ranked. Parce que clairement, la flex, c'est pas un gage de qualité. Je dis pas ça parce que j'ai pris un gage d'Astérac, bien sûr. Et rebonjour, camarade. Nouvelle game avec Panthéon, du coup. Parce que moi, je suis un peu troublé. Je viens d'apprendre la séparation de David Lafarge et de Miss Jirachi. C'est pas facile. On va encaisser. On va essayer de continuer à aller de l'avant. Bah, super, ça. Comment ils se font tuer ici? Ouais, c'est du pur int. Et flash après! Non mais arrêtez! Arrêtez de vous moquer de moi! Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Là c'est une vraie game, c'est une vraie ranked en plus. C'est pas censé être une fiesta. Cette fois j'ai pris Panthéon d'Ether, désolé. Parce que je suis d'Ether! Désolé. Ok, pour l'instant ça lui file un bouclier à dégâts. Un bouclier magique. C'est curieux. Ouais. Ok, j'ai pas eu à flash pour une fois. Pour une fois, j'ai un jungler. Normalement, il ne daigne pas se montrer. Je crois que je suis dead. Ah bah non, ils ont plus de flash tweed. Aussi, si je me fais camper à toutes les games, c'est incroyable. Aucune exception. Je me fais camper dans 100% des games que je joue. Et pourquoi j'ai aucun dégât? Ah oui, c'est parce que j'ai une arme de la DS, c'est vrai. Mais je me souviens du late game. Je sais à quel point je suis fort. Il est chiant lui par contre. What the fuck? Bon aussi si on bannit pas Xin Zhao. Hein. Arrêtez! Personne fait ça! Petit ulti là! N'hésitez pas! Hein.
Hop là, Slowhead, tué avec le Z. Ok, un doublé de ma part. On les tue tous. Reste que Echo, le gros Inter, qui vient après que tout le monde soit mort. Oh là là, Echo le Inter. Il meurt de je ne sais quoi. Du raid, je pense. Toujours y croire. Ne jamais int. Je dis ça parce que j'ai int les deux dernières games. Mais le but, c'est quand même que je sois utile en late game, sinon ma stratégie est stupide. Arrête-toi. Allez, à plus, hein. Oh. Oh, c'est beau, ça. Oh. Nice. Naze. Mais non. C'est vraiment le pire Inter de la planète, lui. Comment il fait ça? Oh. Ma chance. Tout ça. Tout ça, c'est de la moisson, hein. Oh. Oh. Par contre, ma team gagne trop, là. Comment je peux voir mon Panthéon late game si on gagne en 30 minutes? Bah, on finit, du coup. C'est vraiment une game de merde. Eh bien, la morale de cette histoire, c'est que Panthéon late game, c'est aussi nul que ça en a l'air. Au revoir, camarade.